Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Book, toujours sur la chaîne des Jeux du Cygne, pour continuer notre découverte du jeu. Alors, petit bémol, tout de suite, j'ai rechargé parce que moi bon, j'ai dû aller au travail et donc j'avais sauvegardé à la fin de la découverte, la vidéo précédente. Et vous vous souvenez qu'on était au Kusheva Village et j'ai dû refaire la scène. Donc en fait, quand vous sauvegardez au début de la scène, pas à la fin. J'étais pas ici, j'avais sauvegardé sur cette map et j'ai dû refaire la scène avec les cartes que j'avais gagnées. Donc attention à ça quand même. Pour ceux que... Voilà. Il faut le savoir, petit bémol au jeu. On a gagné de l'XP et vous voyez qu'on est très très loin de monter un level. C'est horrible. Pourtant, on a fait des choses. Et ah oui, et donc là on voit alors j'avais les cartes mais j'avais pas l'XP. J'ai dû refaire le fight où j'avais mes nouvelles cartes mais j'ai pas eu l'XP. Et là en rechargeant, j'ai eu les 125 d'XP comme la dernière fois mais j'ai pas les cartes. Enfin j'ai eu une nouvelle carte encore. Enfin, c'est un peu bizarre. Bref, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est important à signaler. Eh bien, continuons. Allons à l'Old River. L'Old Riverbed, le lit de l'ancienne rivière. Qu'on a fait le reste. Faisons la quête principale. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески Ah, с поверхности la lumière de argentée de la lune, oui. Ah oui, qui va sur la mer, oui. Pas sur le lit de la rivière. Alors, en vrai, il faut dessiner un cercle démoniaque. Là, on invoque quoi là? On invoque Dieu là. On invoque des gros démons là. On invoque Nurgle. Comme Clauser. Vous faites quelques pas dans la direction des étranges. Qu'on avance un petit peu. Ah! Et on se fait défoncer par des démons qui sortent de la mer. Et mince, prepare to fight. Oui, j'avais un choix là. Peut-être que si j'avais fait le cercle, on n'aurait peut-être pas eu ce fight. Alors, il nous tape pour 4. Bah, déjà, défense. Voilà, comme ça on va pas prendre de dégâts. Hein. On va essayer de prendre le moins de dégâts possible. Pour le moment, c'est facile, on peut y arriver. Donc faisons-le. Plus il est tout seul. On va le défoncer. Blocked. Alors, il nous tape pour 3. Bah déjà, c'est clairement ça. Non, sur nous. Hop. Et hop, normalement... Ah non, il meurt pas, il va lui rester 1 PV, quoi. La 1 PV strat. Stratégie officielle. Ceux qui ont joué à Dark Souls et les jeux Souls-like qui connaissent la 1 PV strat. Marche toujours. Ok. On s'en fiche, on le tue dans tous les cas. Hop. Voilà. Il va même se soigner, tiens. Ah tiens, j'aurais. Ah bah non. Oui, non. En fait, je voulais voir un truc, mais là, ça répond à ma question. Je voulais savoir si on. Si on tabassait un mec, mais qu'on le soigne, si le combat se finissait tout de suite. Vous voyez? Mais là, le jeu a répondu pour moi. Vu que quand on l'a tué, le fight s'est terminé. Ça, c'est très bien. Alors. Ça me fait peur. C'est un truc qui s'appelle lock. Après, ça peut peut-être lock les ennemis. Hein. Affect Other Page. Ouais, donc. Ah, donc ça, si on utilise des pages noires, il est plus fort. Et ça aussi. Et ça fait 4. Bah, utilisons ça. Ok, on a eu des roubles. Oh! Une zone optionnelle. Bah, allons-y. Explorons, explorons, voir ce que le jeu a dans le ventre. Donc on va faire un... Среди черных древесных Oui. силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не Donc нечисть, on entend а les человек. arbres Там что-то где-то в старое тряпье. Qui craquent en Похоже, fait. Вы повстречали нищенку. On lit un spell.
Mais personne ne vient par un démon. Une ancienne femme. Ah, d'accord. Oui, donc ce que je disais. On va faire un mini let's play pour le moment. Je prévois 4, 5, peut-être 6 épisodes pour voir un peu ce que le jeu a dans le ventre. Après, si ça vous plaît, vous le dites en commentaire et on en fera plus. Beaucoup plus. Tellement plus. Pour le moment, je ne prévois pas de faire un let's play complet du jeu. Parce qu'en fait, j'ai un peu peur que ça tourne en rond. Voilà. On verra ce que le jeu a dans le ventre. Très intéressant. En tout cas, le jeu est intéressant, hein, pour le moment. Très très beau, très 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 stylisé. Moi j'adore. Hein, mais bonjour madame. Le problème principal du jeu, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de trad FR. Oui. Tu m'as senti venir à 1 km. Ça veut dire quoi? Tu es en train de dire je pue, c'est ça? Je vais mettre une boule de feu. Oui, tu es pauvre, oui. Tu vis une simple vie, d'accord. Et tu ramasses des plantes et tu les manges. D'accord. Oui, on est charitable, oui. Donne-moi ton arme. Pardon. Est-ce qu'on est une... Est-ce qu'on est un connard? On est un peu parti dans le truc d'invoquer des démons partout. Hein? Mais j'ai peur que si je refuse, il m'arrive un truc. Moi j'aime bien, c'est aussi ça, regardez. J'ai mis un peu de temps à répondre et le jeu vous rappelle, hey, il faut appuyer sur la touche. Non, ça c'est très très bien, c'est assez sympathique. Bon, allez. Allez. Pour le moment, les roubles ne servent qu'à acheter des cartes. On n'a pas eu besoin d'en acheter, je n'ai pas rencontré un fight qui me ment, enfin, qui me dirait non, là, il faut que tu achètes cette carte-là parce que le fight est trop dur. Donc je pense que les roubles, voilà. À mon avis, c'est un. Pour le moment en tout cas, je pense que c'est un pay to advance. Alors attention, hein. C'est pas du vrai argent, on peut pas mettre de vrai argent dans le jeu. Hein. Mais je pense que c'est un pay to advance dans le jeu en fait. Donc on va lui donner de l'argent. Oui, n'oubliez pas de prier pour les démons. Merci, je prierai pour votre âme perdue. C'est toi qui vas perdre ton âme. Oui, c'est dangereux d'être tout seul. Bon, après, ça dépend, je ne suis jamais seul. Les démons sont avec moi. Ok, bon. Ok, merci, tu me donnes des herbes. Ouais. Pour 2 balles, des herbes, ouais, ça vaut peut-être 2 balles, hein. En vrai. En vrai, en vrai. Ah, je peux pas en acheter là. Hein? Je peux pas acheter en dehors. Hein? On peut acheter que dans la maison du vieux. Ah, intéressant. Vachement intéressant ça pour le coup. Allez, ouais. J'aurais pas vu si j'avais fait que la découverte. D'accord. Hein? Intéressant. Très très intéressant. Ok, mais j'aime bien, c'est qu'on voit que ce qui est en pointillé, c'est secondaire. Ouais. Old Stump. C'est pas des champignons? Je sais plus. Ah, ils ont laissé du miel et du pierogi. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être de la vue, une sorte de viande ou du pain, peut-être. Qu'est-ce qui irait bien avec du lait? Après, on est au 19e siècle, alors c'est pas. Bref. Ah, les léchis. Ok. Il y a des léchis par ici. Emmerder les démons. Vous составляете новую грамоту. Теперь Леший будет помогать крестьянам из Вилли. Уж лучше пусть нечистая сила помогает вашему селу, чем жителям этих Ивичей. Ah. Je pense qu'on a aidé les démons. On les a pas fait chier, on les a aidés. Très bien. Nous on est là pour aider les démons. Voilà, ils aident personne. Et pourrait aider notre village. D'accord. Ah oui, d'accord. On laisse Bijikchi et on les invite chez nous, en fait. D'accord.
Très bien. Eh bien, allons là. C'est bien, j'aime bien, c'est que, regardez, en explorant, on a vu ici un chemin supplémentaire. Moi, je trouve ça sympa quand en explorant comme ça, on voit des chemins supplémentaires. Je trouve ça sympa. Moi, ça me plaît, en tout cas. Donc, c'est pas juste. Oui, on traverse les bois. On trouve un nid de serpents, des bébés snakes, des bébés serpents, pardon, dans leurs œufs. La mère n'est pas là. Elle sera bientôt de retour, par contre. Ben, on va. On n'a pas d'autre choix que de fermer, alors. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете. OK, donc on les a tués comme un connard. Très bien. Moi ça me va. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Крестиком листа. Вам повезло. Разрыв траву. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Éliminer tes ennemis. C'est-à-dire que si on prend ça, ça casse leur armure, c'est ça? J'ai l'impression que ça veut dire ça. Bref. Donc comme je disais, ce qui est bien, c'est que c'est pas un chemin linéaire, puis qu'on peut trouver d'autres trucs sur le chemin. Bon, après, c'est un chemin linéaire quand même, hein, mais... Je veux dire, c'est pas... genre, on est là, c'est pas genre t'as 5 locations à faire. Non, si tu veux faire tout, bah tu peux... Tu peux jongler. Donc on va voir. Ça peut être très intéressant. Petits événements comme ça sur le côté sont assez sympathiques aussi. Donc on est sur des... À côté de montagne, pas loin du Cachevo, du lac Cachevo. Pardon. Il y a deux silhouettes. Ok. Une avec des longs cheveux. Bah... Alors, soit on s'approche d'eux, on va prier pour les démons. C'est parti. Ah, bon, on a loupé un combat. Voilà. Donc comme j'ai... Alors, je croyais que j'allais prier pour les démons, mais non, on a prié pour... Oh mince, dommage. Bon, ben, on a loupé un combat. C'est pas très grave. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу голову. Attendez, я... Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен. Donc on commence à... On entend... Je pense qu'on doit entendre le windmill qui craque, là. Et il y a du brouillard. Il y a des ombres. Ouais, il y a des ombres qui arrivent sur nous. Hein. On va se protéger. Заговор от ворот. Вы чувствуете, что старинные слова заклинания помогают вам и смело продолжаете путь. Je suppose qu'on a évité des dégâts. Потренироваться в чародейничестве. Mais on a peut-être aussi évité un combat. Mais on a gagné 100 XP. Donc tout va bien. Ah, bah, très bien. Encore des lieux supplémentaires. On va faire, hein, on va essayer de faire la totalité des choses. Alors, il y a deux voyageurs de Bigichi Village. Ok. Ils veulent continuer ensemble. Non ? On leur tape dessus. Voilà. Voilà, il y a des démons qui arrivent. Il s'était transformé en démon, je le savais. Dans 3 tours, il nous casse le cul. Pour 15. Donc dans 3 tours, il moins de shot. Ok. Je lis, hein. Moi, c'est ce que je lis. Et il a 16 PV. Alors. Déjà, on va faire. Lui, il me tape pour 2. J'ai 3 de défense, donc full cassage de cul.
Full cassage de cul. De toute façon, il peut pas me blesser, lui. Et lui, c'est dans 3 tours. Mais il faut le tuer. Allez, cassage de cul. Voilà. Bon, si on a de la chance sur le tirage, on peut le one-shot. Hein. On peut le tuer au prochain tour. Ok, lui peut pas me tuer. Ok. Mince. Ah là 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 là. Bon. Pas eu de chance sur le tirage. Sur moi, et... on va utiliser ça. Voilà. Alors, ce qui m'aurait intéressé, c'est que ça, ça joue avant ça, parce que ça, c'est plus fort s'il y a ça avant. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui décide. Ah, d'accord! On va se faire casser le cul. On va se faire. Yes, 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 yes. C'est la seule carte d'attaque que j'ai. Hein. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Il enlèvera mes statuts positifs. D'accord. Bah, écoute. Allez, 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 allez. Il va prendre 3 PV et là, il va me dire immune. Ok. Prends 3 PV, prends 3 PV, prends 3 PV. Et on voit que ça enlève pas la défense, donc ça c'est intéressant. Yes! Yes! Yes, yes, yes. Alors toi, mon petit gars, tu vas manger tes morts. En plus, tu es très faible. Un démon très faible, lui. Mais il peut retirer les statuts positifs. Donc attention, il n'est pas si faible que ça en vrai. Vous voyez, 5 points de vie, je l'ai fait. Parce que j'avais lu une carte noire avant. Et voilà, t'es mort. T'es mort, c'est tout. On a eu un bon tirage au début du level, mais un très mauvais tirage à la fin. Ouais. Heureusement qu'on a pu faire plein de dégâts au début. Hein. Ah, alors ça oui. Ça oui. Ça va nous soigner de 2 et ça enlève les négatifs statuts. Donc clairement je le mets tout de suite dans mon deck. Alors comme je disais, hein, je sais pas encore s'il vaut mieux en avoir beaucoup ou pas beaucoup. Mais celle-là je pense que si je peux j'en rachèterai parce que je voudrais bien en avoir 2 ou 3 dans mon deck pour tomber souvent dessus. Pareil, celle-là elle fait pas mal de dégâts, je vais peut-être en racheter une, mais on avait vu qu'elle coûtait 10, alors faire attention à mon avis. Oui, les herbes, on sait. Pour le moment, j'ai pas eu besoin. Le seul monstre qui m'est... Pour le moment, le seul monstre qui pouvait me blesser et me one-shotter. Donc, j'ai envie de dire... Bon, après, on a eu 3 tours pour le tuer, donc ça va. Mais, ouais, il était pas facile, ce petit démon-là. Hein. Sorte de taureau avec le bébé, là. Ah, il y a un... Ok, donc on marche autour du windmill, on approche de la chute forest. Ok, il y a un silence qui nous enveloppe. Il y a quelques shorts qui volent, bon, on leur casse le cul. Alors, en vrai, il faudrait peut-être check les débris, mais ça risque d'éviter le combat. On va pas se cacher, ça c'est sûr. En fait, j'ai envie de faire ce fight. Mais je sais pas si check les débris va me donner des objets puis faire le fight ou juste éviter le fight. Allez, on va checker les débris. On a gagné de l'argent, très bien. Ah, oh, on a loupé le combat. Merde. Merde. Que pour 3 de thunes, on aurait dû faire le combat. On aurait dû faire le combat. En fait, j'ai peur que si on monte pas assez vite de level, on se fasse dépasser par les ennemis et qu'on se fasse casser le cul. C'est, j'ai un peu peur de cela. Mais bon, voyons voir. Waouh. Il est joli en tout cas. Donc on est devant le windmill. Il y a beaucoup de légendes sur cette histoire autour du village. Hein.
Плохое место. Il n'y a pas eu beaucoup de visites parce qu'il y a de la poussière, etc., etc. Et apparemment, ça parle de fantômes. D'accord. Ce serait un mauvais endroit. Et on peut, je pense qu'on peut toujours se barrer en appuyant là, mais je veux pas le faire. Ok. Donc on a la petite. Ah, on repasse sur ce gameplay là. Pourquoi pas, en vrai. Bon, la caméra qui bouge comme ça, c'est peut-être pas forcément. Oh. Peut-être pas forcément le meilleur des choix, mais. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру. По нему можно забраться внутрь. Он pourrait passer par derrière, hein, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Черденском уезде. Ouais, non, alors je veux pas, je veux d'abord explorer tout autour. Je sais pas s'il vaut mieux rentrer par là ou par l'intérieur. Encore des herbes, on va en avoir 12 000. On trouve beaucoup d'herbes de soin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jeu est difficile, c'est ça? Pour le moment, on s'est pas trop fait casser le cul. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Bah oui. Plus un quoi? D'accord. On a plus un PV. Nice. Nice. Voilà pourquoi il faut explorer dans les jeux. Encore une herbe. Très bien. On passe par la porte ou on passe par derrière? Il y a peut-être des trucs par là. On peut pas aller là. Hein. Allez, on va passer par la porte. Comme des sacs. Alors, c'est obvious qu'il est vieux. Ouais, il y a plein de trous. Ah! Ah! On essaye d'ouvrir la porte, elle est fermée. Si on n'avait pas été chercher la break herb, on n'aurait pas pu l'utiliser. Et là, on voit qu'on peut tenter de le casser avec la hache qu'on a récupérée. Ah! Donc, si on récupère pas les objets, si on n'explore pas tout, on peut louper des choses. On peut louper des interactions contextuelles. Intéressant. Ça, c'est intéressant parce que si on n'avait pas fait le choix de payer, par exemple, ou des trucs comme ça, eh bien, on n'aurait pas forcément eu ça. Non, c'était les serpents. Ouais, c'était les serpents. Si on n'avait pas été voir les serpents, on n'aurait pas eu cet item. Voilà, on détruit le lock. Très bien. J'ai peur d'utiliser la hache et de la casser et de perdre mon PV supplémentaire. D'accord. D'accord. Ah, et passer par derrière, on sera arrivé directement au second floor. Mm-hmm. Ok. Ok, bon, ça c'est pour... voilà. Hein. D'accord. Oh, un chest. Ouvrons-le. Forcément des trucs dedans. Et là, mince, il n'y a que des tools. Pas rien d'intéressant. Non, 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 non. Ah, oui. Là, c'est le third floor. D'accord, donc c'est de la vaisselle pour faire du lait, c'est ça? Ou d'autres produits, d'accord. On prend le pognon. Hein. Ah. C'est moi où on commence à accumuler les sins. C'est où? Aïe, c'est là. Aïe. Ah là là. On commence à montrer qu'on est quelqu'un d'extrêmement respectable. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je fais ça pour les démons, vous savez, moi... Mon âme est déjà perdue. Rift, herbe. On va piquer l'herbe aussi. Hein. Ok. Bah, il faut aller là. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. Окей.
Donc, le bloc de bois est cassé près du plus au niveau du mur. Hein. Est-ce qu'il laisse voir les mécanismes du Wind Hill? Ok. Et on voit les bois de Sherdine. Eh bien. Ah! Des démons. Ouf! Ah! Ouille! Ah! Я ожидал увидеть скрюченного деда. Появилась прекрасная дева. Le mec m'avait, enfin le vieux m'avait pas dit qu'il envoyait une belle femme. Et чем ты пожаловала в мою мельницу? Pourquoi j'ai pas eu le texte? Mince. Short. Я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Je ne pensais pas que les démons parlaient notre langue. Un démon, tu dis? Je suis pas un short commun, ouais. D'accord. Je suis le 13e frère. Je suis le gardien des villages, de la forêt et des secrets. D'accord. Je suis le gardien de ce windmill. D'accord. Ah! Il est au service d'un maître qu'il a pas vu. Et c'est quoi ce nom? Ça veut dire quoi le 13e frère? C'est un nom qu'on me donne à travers beaucoup de pays. C'est devenu mon nom. D'accord. Je t'en parlerai de mon histoire si tu veux l'entendre. Ok. Bah, tell me. Ouais, parle-moi de ton histoire. Oh, c'est écrit tout petit là. La taille qui diminue comme ça, c'est. Attendez. Ouais. D'accord, donc il est content. Il est content qu'on essaye pas de le maudire et tout là. Enfin de. D'accord, et donc il y a longtemps il y avait 12 frères. Et le 13e le plus jeune. Est-ce que ce serait pas les 12 apôtres et que ce serait Judas en fait? Mais il y a eu une guerre. Ah. J'ai servi sous les ordres d'un commandant capable, d'accord. Il m'a gardé en vie. Et je suis le dernier de mes frères. D'accord. Le destin m'a conduit ici. Et pourquoi toi tu es là? On peut lui casser le cul, hein. Qu'est-ce que tu as fait avec ce windmill? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que j'avais tort à propos de toi. Tu es en train de dire que je suis conne, c'est ça. Attention à toi, mon petit. The windmill possède. Ругательство так примитивны. Но оказался я на мельнице не из-за того. Ты pas là à cause de ça, d'accord. Il est pas là parce que là, il a été maudit. D'accord. Я эту мельницу храню. Ah, il t'a un blood sacrifice, d'accord. Il a fait un sacrifice de sang. Très bien. Ah. Il veut essayer de nous tuer, donc on va lui. D'accord. Ok, il veut nous tuer, donc on va le défoncer. Alors, il va se mettre 13 de défense. Ok, je pense qu'il va aussi faire des invoques. Ok. Alors, déjà, on va lui casser le cul.
Parce que All Allies, il est tout seul, à mon avis. C'est un mec qui va invoquer. Tiens, dans ta face. Tiens, dans ta face. C'est un boss, hein. On va peut-être mourir. Hein. Tiens, dans ta face. Il va nous faire 10 de dégâts. Ok. Donc, moi, je peux me défendre pour 5. Après 8, ouais bah. Voilà, on va faire une full défense, hein. Je me dis, on va essayer de pas prendre trop de dégâts. Je suis blessed. Voilà, lui il a pris 2. Tu es arrogante. Tu ne peux pas vaincre cet esprit ancien. Mon livre m'aidera. C'est impossible. Ok. Ah, il me refait 10 de dégâts. On peut pas tout le temps se défendre. Hein. Donc on va lui faire 4. Et on va prendre 8 de défense. Après n'oublions pas qu'on peut se soigner. Hein. Alors, on va prendre 2, mais c'est pas grave. Voilà. Aïe. Ok. Nous refait 10, hein. Ah, on peut se soigner là. Donc je peux faire ça. On va reprendre 2. Ah non, on va prendre cher là, mince. Ah. Bon, franchement, on va lui remettre ça. Là on prend 5 hein. Allez, on se soignera au prochain tour. Après j'ai les herbes hein. J'oublie pas que je peux utiliser mes herbes. Je sais pas comment ça marche, je sais pas si ça prend mon tour ou pas. On va pouvoir tester. Voilà, là on va prendre 5 direct dans la face. Alors, voyons voir ce que ça fait si on utilise une herbe. Ça prend pas notre tour. Très bien. Il fait quoi? Ah, il va sceller une de nos pages. J'ai l'impression. Donc on va lui casser le cul. Et on pourrait se soigner de 1. Il nous manque 2 PV. Faisons-le. Soigner de 1, tant qu'à faire. Je l'ai mis sur moi ou sur lui? Je me souviens plus. Quel con! Bordel! Ce livre est un artefact légendaire. Il n'avait jamais combattu, d'accord. Il va nous refaire 10. Quel con, je l'ai soigné, quoi. Je suis vraiment con, des fois. Alors, je pourrais me soigner et me mettre 3 de défense. Hein. En vrai, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais me mettre 3. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, là, on va prendre cher, par contre. On prend 7. On est mid-life. Ah, ouais, c'est bien ce que je disais. Ok, il se met 13 de défense. Ah, il en a scellé plusieurs. D'accord. Tant qu'à faire, hein. De toute façon je peux pas faire autre chose donc ah, j'aurais peut-être dû me soigner. Voilà, il va prendre 6 déjà. T'as beau avoir mis de la défense, au moins tu prendras 6, au prochain tour il est mort. À moins qu'il se soigne. Ok, il nous met 10, mais il va prendre 5 et il lui reste 4 PV. Donc le truc qu'on doit faire c'est juste se protéger. Et tant qu'à faire, on va se soigner. C'est parti. On verra si on récupère les PV entre les levels, hein, au moins. La 3. Et là, il meurt. Yes. Pas très compliqué à tuer. Combat un peu plus chaud, mais pas très compliqué. Très bien.
Ah. Alors, ça c'est hyper balèze. Parce que 5 de défense avec les d'autres cartes blanches, ça sera encore plus fort, mais faire trop de dégâts à tous les ennemis. Ah, on a l'évelopé, très bien. Ok, bah là ça nous explique les skill tree, on l'avait vu. On a le droit à un niveau, c'est ça? Shop price. Ok, on gagne plus d'argent. En vrai, c'est peut-être pas con. Ah! Ah! Mince, on l'a déjà appris. Ok. Learn, learn, learn. Ah non, d'accord, il faut que j'appuie sur learn, d'accord. Ah oui, clairement. Ah mince, c'était peut-être ça que j'aurais dû faire. On peut annuler ou pas? Ah, on peut pas annuler? Mince. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas compris. Ah, d'accord, c'est... D'accord. Ah, ça, c'est un peu dommage. On puisse pas faire une doute tant qu'on est sur la page. Bon, tant pis. On aura une clé en plus, donc on aura deux comme ça et deux comme ça partout. Très bien. Ah, on a gagné 5 PV max. Ok. Брат исчезает во всполохе черного пламени. Кажется, что сам воздух стал теперь другим и дышать. Alors, le 13e frère est mort. On va pouvoir retourner à leur travail. Bah, les gens vont pouvoir retourner à leur travail, très bien. Il faudra lui parler du sacrifice. Très bien. Bah, retourne home. Ah, le chapitre 1. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Mais on va s'arrêter là. On continuera l'histoire lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.